Excusez ma tête. Je vais prendre ma douche, donc je suis un peu comme un vieux chien mouillé. C'est ça que j'ai mis mes cheveux en l'air parce que sinon j'ai encore les cheveux qui dégoûtent un petit peu en fait. Je me suis un peu assez dépêchée. Même si vous avez entendu que j'avais chipoté sur mon jeu. Comment vous allez? J'ai mon épier qui fait des siennes là. Bon. Les gars, là je suis en mode poseur. Je prends pas la tête, je suis pas maquillée, je vais juste prendre ma douche, donc voilà. Je prends pas la tête, là je suis pas en mode on va faire un défilé de mode, hein, on s'en bat les couilles. Donc hop, merci Naiviro pour cet opening de live. Donc comment est-ce que vous allez? Hop, je vais directement mettre le hop. Truc Simchester. Oh, vous êtes tout plein, dis donc. Eh mais ça fait... Ah mais non, mais c'est pas ça que je veux montrer, moi. C'est pas ça du tout. C'est moi le jeu. Allez, Micheline. Voilà, hop, voilà. Donc oui, je suis désolée, la rediff de mon dernier live relooking de ma SimSelf n'est pas encore sortie. Je suis désolée, j'essaie de pas trop vous bassiner avec des vidéos sur la chaîne, donc du coup bah voilà, c'est comme ça. Hop. Oh, j'ai mal mis mon petit joli. Hop. Ma petite moule. Ma petite émule. Attendez, je mets bien la moule, je vous mets bien, puis après on va commencer. Voilà, hop, voilà. On descend un petit peu la moule et c'est parfait. On me reçut, je suis, c'est super sympa, merci beaucoup, c'est adorable. Mais voilà, moi je me prends pas la tête les gars, vous savez, moi je suis pour l'acceptation de soi, donc voilà. Voilà, tout simplement. Voilà ma petite SimSelf. Regardez comme elle avec sa petite frange et tout. Elle est trop, trop jolie. Je l'aime d'amour. Elle est trop belle. Donc, eh bien les amis, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il y a un chien animal qui a vomi. C'est vrai. Donc, musique s'il vous plaît, musique. Donc, déjà j'ai mis d'autres musiques. Voilà, d'autres musiques que d'habitude. Et en fait, ce cas, c'est que comme on est en live, vous allez avoir un petit bonus que je vais couper au montage de cette rediff. Voilà, vous allez voir un petit truc que je vais vous expliquer, voilà. Parce qu'en fait, je suis trop patiente, donc voilà, je vais quand même vous raconter à l'avance. Même s'il y a une vidéo spéciale qui va sortir par rapport à ça, je vous explique tout dans 2 minutes, mais voilà, je recouvre ça, ça fait le petit bonus pour ceux qui viennent me voir en live, tout simplement. Les autres, vous devrez attendre ce YouTube, je suis désolée, j'aurai plein de pouces rouges, mais je m'en fous. Donc, y'a qui est là? Y'a qui est là? Vous êtes tout plein, il me semble. Il y a Atmosphera, il y a Black Sheep Twitch, il y a Cassiope, il y a Devipa, il y a Elisa, il y a Enilopé, il y a Foufi, il y a Jessie Astro, il y a Juge de Fruits, Laura Belair, Luciole, Game, Lucky Day Officiel, Malo, Mamselle Caramel, Mayvette, Mystikoff, Papuchneko, Patty Life, Suela et Yuki Wolfgirl. Le reste, je crois que c'est 2 bots. Oui, c'est 2 bots là. Donc, ben voilà. Et mes petits modos, est-ce que j'ai des modos qui sont là? Il y a Nathan qui est là dans le chat aussi, il ne dit pas bonjour. Mais dis donc Nathan, qu'est-ce que c'est que ça? On ne dit pas bonjour? Je vais être sur Discord au cas où tu... Nathan, vous pourrez me rejoindre, ça me fera plaisir, hein, au cas où mes petits modos voudraient venir, ou les potes, ou même Luciole si tu veux venir, tu n'hésites pas. Hein. Voilà, tu as accès à mon Discord privé. Voilà, oh, copine. Donc... on va dire au revoir à cette magnifique maison que j'avais fait pour... voilà, tout simplement parce que c'est comme ça. On va les dire au revoir. Et nous allons déménager. Donc c'était, on va dire, notre maison de vacances. Je pense que je vais prendre le mode que tu as, Luciole, pour passer des villes en mode lieu de vacances, parce que ça pourrait vraiment être intéressant. Enfin que je paye là pour un live et en plus des exclus, trop bien. Ah oui, là vous allez avoir une grosse exclue. En fait, en gros, je vais vous spoiler une vidéo. En sachant que, bon, la rediff, enfin, la rediff, je vais mettre toute la rediff, enfin, non pas toute la rediff, mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Bon, c'est pas grave, hein, on peut venir même sur ton téléphone si tu veux, hein. Franchement, voilà, il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'y a pas trop de bruit derrière toi, voilà. Donc, on va dire au revoir à cette maison. De toute façon, tous les objets dont j'ai besoin vont se mettre dans les... dans le truc de famille. Oh, purée, tous les petits trucs que j'ai là. Ouais, parce que j'avais tous les coquillages et tout. Ah, c'est cool ça. Bon, la maison où on va aller en théorie sera la maison où on va rester. Et donc, chaque fois qu'on déménagera, je pense que ça sera juste bah, pour les vacances, voilà, tout simplement. Y'a pas de soucis à la love, comment tu vas? Coucou Pepperoni Love. Oui, d'ailleurs un truc, je vais vite aller voir vos petits mots sur Utip avant d'oublier, parce que chaque fois j'oublie et puis après ça va pas et puis c'est nul parce que j'oublie. J'ai un mini-cerveau. Merci, bienvenue à Kaya, bienvenue Kaya, bienvenue à toi. Oui, maintenant pour ceux qui la veulent, je vous rappelle qu'elle est disponible dans ma galerie. Hein. Ma galerie, moi, mon pseudo c'est Jolie Dream, c'est tout collé. Voilà, vous me trouverez. Maintenant n'hésitez pas à activer les contenus personnalisés pour la retrouver, donc voilà. Avec moi ça fait longtemps une exclue. Vous allez voir, je vais vous raconter une histoire, une très belle histoire, enfin non, une histoire vachement triste en fait. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent des lives que j'ai fait où je mettais que je faisais ma maison de rêve. Dave, il n'y a pas de rediff. Hein. Donc, ah mais j'ai 2 messages, donc message de illustre, un illustre connu, quelqu'un qui n'a pas, les deux messages n'ont pas été, il n'y a personne qui a signé. Donc le premier c'est continue tes vidéos, t'es génial avec un cœur, bah, merci beaucoup, c'est super gentil. Et la deuxième vidéo c'est qu'est-ce qui s'est passé? Utari après la maman de Fatima, coucou Utari, coucou Poulette, comment tu vas? Oh, mais ça fait plaisir, c'est le plaisir. Ça va très bien, merci vous. C'est vrai que cette maison était super pour les vacances, mais il faut... Voilà, c'est ça en fait, Cassiopée. Enfin, vous allez comprendre quand vous la verrez pourquoi je l'ai faite. Enfin, vous allez comprendre quand vous... Vous allez tout comprendre quand vous la verrez. Donc, deuxième message, j'adore ta façon de jouer aux Sims. Et toujours passionné, reste comme tu es, un abonné. Bah, merci beaucoup à toi, un abonné, c'est très très gentil. Merci beaucoup pour votre soutien sur Utip. Hein, d'ailleurs, je vais vous dire à combien on est au total. On est à 191,44 € sur Utip. Je vous rappelle qu'il en faut plus ou moins 560 pour que je puisse faire la modification de mon PC. Donc là, c'est franchement trop cool. merci beaucoup à vous, merci beaucoup aux personnes qui pensent à le faire. Non, c'est qu'il y avait eu moins de pubs ces temps-ci parce que bah voilà, c'est le mois d'août, c'est les vacances, donc du coup bah, les gens, donc les sociétés qui ont besoin de pubs en fait ont un peu moins d'argent à mettre durant les congés. C'est pareil avec YouTube en fait, les youtubeurs gagnent moins d'argent via les pubs YouTube, voilà, c'est comme ça, enfin durant l'été c'est comme ça. Bon, donc... Et bien, nous allons dire au revoir à cette petite maison. Nous allons déménager en espérant que j'ai assez de sous. Sinon, je ferai un petit prêt pour pouvoir acheter l'autre maison. Donc, la maison est finie. Hein. La maison que je vais vous montrer, elle est plus ou moins meublée. Vous allez comprendre quand vous verrez tout. Hop. Déménager. Il n'y a pas déménager. Déménager, déménager. C'est où déménager? C'est où que je peux déménager? Là. Déménager le foyer. Voilà. On va déménager avec le chien, le chat. D'ailleurs, je pense qu'on va se prendre un petit truc en plus, un petit cochon d'Inde. Je dis, est-ce que tu ajoutes d'autres sims pour ta série Tellement Sims? Ah, t'es seul, mon amour. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Mais d'ailleurs, pour ceux qui auraient loupé, en fait, mes sims de la série Tellement Sims, donc Céleste, Micheline, il y en a d'autres, je suis désolée. Je crois que je vais d'en transférer un. Ouais, tant pis, c'est pas grave, je vais en transférer un. C'est pas grave, je crois qu'il est sur ma galerie. Sont dans cette partie-ci maintenant. Maintenant, tous les lives que je fais avec ma SimSelf, ça s'appellera les aventures de jeudi. Tous ceux que je fais avec d'autres personnages, ça s'appellera Tellement Sims. Or, peut-être un autre personnage, mais ça, je pense que vous verrez ça. J'ai prévu, j'ai une idée de let's play en fait qui m'est venue avec le pack magique. Firmin aussi, atmosphérale. Firmin aussi. Et peut-être juste une épouse pour Firmin que j'aime bien trouver. Peut-être que là, j'ajouterai le sim de quelqu'un. Donc, la maison en question. Donc, d'ailleurs, on va dire que. Roleplay, stigma parlant, les affaires de notre petite, de ma petite SimSelf sont déjà... Ah, elle a pas les sous! Oh mon dieu! Elle a pas les sous, mon dieu! Donc, donc 141. Ok, d'accord, c'est pas grave. On va donc demander un prêt de 100 000. Oui, mais c'est pour aller faire une épouse à Firmin. Il manque que si Paris c'était si curvy. Oh, tu te rappelles de ça, atmosphérale? Je vais essayer de... tu vas les refaire. Je vais les refaire. Je pensais pas que vous aimiez bien ces persos. Je vais les refaire. Bon. Par contre, au niveau de la maison, on va se mettre une ambiance qui va avec. D'ici 2 minutes, on va changer un petit peu de la musique pour vous mettre coller une bonne ambiance. On va se prendre un petit prêt. Ouh là là, calme-toi. Calme-toi, Micheline. Donc. Plus de choix pré-bancaire. On va emprunter 100 000. On va l'étaler en 36 paiements. C'est bon? J'ai fait Michel. Ah, j'ai pas fini? Non! J'ai pas fini de payer ça? Tu déconnes? Non, il veut pas. Oh, je suis triste. Je suis triste. Bon. Comment allons-nous faire? I have an idea. On va quand même se faire un prêt, même si c'est pas possible. Ouais, mais j'aime pas tricher, Swayla. J'aime pas tricher. Ouais, mais non, en fait, ce qui arrive, c'est que la maison, vous allez comprendre pourquoi je veux maintenant. Vous allez tout faire comprendre pourquoi je veux maintenant. Je vais faire le code Motherload. Je vais l'acheter. Et quand j'aurai fini de payer ce prêt-là, je referai un autre prêt de 100 Simfous, en fait, que je rembourserai réellement. Voilà. Je sais pas si vous comprenez le truc. Voilà. Hop, Motherload. Hop, Motherload. Et Motherload. Ah non, 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 non. Enfin, c'est pas grave. Anyway, donc on a 150 000 Simplouz. Et donc du coup, bah, je vais me rembourser. Ah bah, on fera ça après. Donc, on va déménager. Déménager le foyer. Mais je ne sais pas pourquoi tu ne rages pas Queen et Casey suite dans ton tel. Oui, j'avoue, parce que c'est vrai que Sweetie, je pense pas que je vous avais dit, oui, quand je vis Victoria, machin, mais je pense pas que je vais rejouer avec Sweetie et parce qu'en fait, c'est vrai que comme vous dites, j'ai fait le tour de cette série-là avec ce personnage-là, et peut-être que je pourrais les rajouter juste comme PNJ, ça pourrait être cool. J'y ai pensé. Bon. Hop. Au niveau, donc vous allez voir, donc c'est la maison qui est ici, c'est la ferme Simchester. Voilà. Donc j'ai tourné, juste avant de commencer live, une vidéo où je vous montre la maison et où je vais vous expliquer, où j'ai expliqué les choses que je vais expliquer maintenant et qui sont plutôt au montage. Voilà, c'est le petit bonus pour vous, voilà, que j'avais dit. Donc bah désolée, je suis désolée pour ceux qui regardent cette rediffusion, vous pouvez rester, juste après je vais juste recouper le petit moment incriminé. Donc j'invite d'ailleurs ceux qui regardent Se Lève maintenant ne pas dire en commentaire, parce que sinon je fasse les commentaires. Voilà, vous pouvez juste dire oh mon dieu c'était trop bien machin si vous avez apprécié. Voilà, Candy Sugar et Chochan, oh oui, en fait t'es une folle à me faire, elle a suivi toutes les vidéos. Bon, hop. Et donc, voilà la fameuse maison, on dit Diap. Voilà, la fameuse maison, donc dans le quartier de New Crest. On est à côté d'un restaurant japonais, en face d'un petit parc, ma foi très sympathique. D'ailleurs, j'avais montré ce parc-là dans une visite aussi, qui est sur la chaîne, sauf que... bah, c'était un autre arbre qui avait à la base, mais c'est juste que le mode où il y a l'arbre ne fonctionne plus, donc voilà, j'ai mis un autre. Voilà. Petit parc. Oh, il y a de la boue. Il y a de la boue. Qu'est-ce qu'il y a d'autre tout près? Bah, là, pour moi, il n'y a rien. Mais bon, voilà, il y a des petites choses qui sont, ma foi, très intéressantes. Bon, c'est maintenant que je vais couper au moment de la rediff. Salut à tous ceux qui regardent la rediff, on se retrouve tout de suite dans 30 secondes, même pas 30 secondes tout de suite, hein, mais voilà, ceux qui regardent le truc, voilà. Donc je vais vous faire un gros spoil, en fait, la vidéo que je fais tout à l'heure, en fait, soit je la sortirai pour Halloween, soit je la sortirai avant, voilà, tout simplement. Donc en fait, j'ai décidé de faire cette maison par rapport à la sortie du pack, du pack magie, en fait. Donc en fait il y a des choses que moi en tant que moi-même, en tant que joueuse je saurais, mais que mon Sims roleplaystigment parlant, pour la petite histoire, ne saura pas. Oh bien alors je vous raconte pas tout et je fais la vienne et je vous raconte quand même pas. Mais j'arrive pas à tenir ma langue, hein, ces choses-là, je ne sais pas. Vous voulez l'histoire ou pas de la maison? Parce que j'ai fait toute une histoire, je vous jure. Pensez de l'histoire sans la raconter, dites tout. Mais non, ne dites pas tout, mais voilà, voilà, teaser un petit peu. J'ai pas mal, c'est pas grave, Emilia. Oh, Emilia, elle a loupé tout, Emilia, elle a loupé tout, mon dieu, Emilia, je suis tellement désolée pour toi, tant pis. Alors en fait, c'est l'histoire de Micheline, tu vois. C'est trop nul. Connard, attendez, un connard. Oh là là, donc, alors on va mettre hop, d'autres musiques. Voilà. Donc, au niveau de la maison ici, je vais essayer de me fixer des petits objectifs pour donc les pièces secrètes, voilà. Les pièces secrètes que je vais essayer de pas montrer, mais je sens que je vais les montrer parce que je suis pas douée. Les pièces secrètes seront débloquées quand elles seront débloquées. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on débloquera ces pièces avec le pack magie. Oui, pour ceux qui m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bordel? Ce sont les meubles de ma SimSelf là qu'elle a fait apporter de Sulani, donc voilà, ils sont dans des caisses et tout, donc il va falloir remeubler tout, même si tout est resté d'époque, hein, au niveau de la maison, voilà, c'est une vieille maison. Ma SimSelf, donc vous, ceux qui avez vu le live, vous connaissez l'histoire, hein, ceux qui regardent cette rediff, vous devrez attendre avant de la savoir l'histoire, hein. Maintenant, oui, je la re-raconterai au fur et à mesure, voilà, des découvertes que fera ma SimSelf. Voilà, dans le monde de la magie, parce que voilà, c'est pour ça que je voulais la déménager. Tu vas fort musique. Voilà. Non, je rigole, c'était super. Merci beaucoup, Soyla. Oh là là. Pour une fois que je prends live au début, je suis contente, trop hâte de voir ça. Voilà, c'est les petits bonus pour ceux qui viennent voir les lives. Et donc, on va dire qu'au niveau de l'histoire, en fait, de ma SimSelf, donc voilà, elle rentre dans la maison. Elle se dit, Mon dieu, je sais pas si c'était une si bonne idée d'acheter cette baraque aussi chère, hein, déjà. Je sais pas si c'était une trop bonne idée. Yay, merci pour le follow, bienvenue à Mariam. Bonsoir, coucou Elodie M, coucou. On va dire que là, au niveau du roleplay, elle a trouvé. Elle regarde un petit peu le truc ici. Oh, un papier qui dépasse de ses bouquins. Donc ma SimSelf là, c'est une histoire les gars, on les en même temps que ce que je joue, voilà, vous savez bien que j'aime bien un petit peu de scénariser les trucs. Coucou Bella. Elle vient de trouver un petit papier qui dit que la maison renferme un terrible secret et qu'elle va devoir avancer et faire certaines choses dans sa vie pour découvrir le secret de cette maison. Et c'est signé R.S. R.S. Ok, d'accord, bon. De toute façon, il faut la retaper, donc, parce que voilà, c'est le bordel, enfin voilà, c'est le truc. Okay, j'ai une marque du style de vie, toujours plus, ok. Bon, du coup, nous, où est-ce qu'on va faire notre bureau? Je pense qu'on va faire essayer de... Ouais. Les salles de bain vont pas rester forcément des salles de bain. Je pense qu'on va essayer de faire notre... On va garder ceci comme chambre. Bon, je crois que je vais voir pour décaler la fenêtre pour mettre un dressing ici. Donc, en gros, le live ici, ça va être live décoration, hein, je vous le dis déjà. Et donc, au niveau, donc, je vais me fixer des petits objectifs. Oh oui, mince, faut qu'on donne à bouffer. Oh oui, il y a Pinky qui est pas bien, effectivement. Oh bah écoutez, on va aller vite aller, chez le veto avec elle. Je vais pas être bien si jamais on apprend, voilà. Je sais pas pourquoi elle est malade comme ça. On va aller chez le veto avec elle. Oui, c'est moi qui ai fait la maison atmosphérale. C'est tout moi qui ai tout fait. Tout moi qui ai tout fait. Et je tiens à préciser aussi un truc, c'est qu'il n'y a pas de CC dedans. Enfin, en théorie, il n'y en a pas. Donc voilà. C'est assez cool, je trouve. C'est cool. Je suis contente, je suis fière de moi. On a pris du temps de la faire. On l'avait commencé en live et au final, ben... Je l'ai fini en hors caméra. Je l'ai fini tout à l'heure. Donc, ma fille a fait une sieste qui a duré 3 heures facilement, donc du coup j'ai fait ça. Merci beaucoup Atmosphérale, pourtant c'est pas... Enfin voilà, j'ai juste suivi mon instinct pour la faire et je me suis éclatée et c'est tout. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Chérie, si tu veux rouvrir la fenêtre pour qu'on ait de l'air, tu peux. Maintenant je suis en train de mourir, actuellement il fait chaud. Hop, on va ici avec Pink hein, pour la soigner. J'arrive pas du tout à en faire et ça m'énerve. Faut prendre le temps. Hein. Alors comment t'as fait pour mettre un étang? Avec le code, en fait l'étang vient de la mise à jour en fait, avec le code qu'ils ont fait dans la mise à jour tout simplement. Alors, pour ceux qui posent la question voilà, par rapport à la rediff, un truc que j'ai dans la coupure c'est que oui, bientôt vous aurez la maison. Voilà, mais je veux pas dire quand. Bientôt. Oh là, quel temps de merde hein. Voilà, viens ici le chien. Allez ici, on va, hop, vite, assez de maladie. Allez, vite. Super. Par contre, un truc, je sais pas du tout comment est-ce qu'on fait pour ne plus être une sirène. Est-ce que quelqu'un d'ici, d'entre vous, sait comment on fait pour ne plus être une sirène? Ouais, c'est dans le débugage, ouais. Bon, on va attendre. Hein. Pinky, t'es où ma pipi? Oh, regardez les papillons. Ah mince, oh, j'avais oublié que j'étais célèbre. Oh mon dieu, je vous aime trop. Super. Je vais juste faire mon chat, il me faut de la paix. Voilà. Pinky, viens manger un petit bout ma cocotte. Je fais ça. Appelez Pinky pour qu'elle vienne manger. Pinky, viens manger ma pipi. Manger mon bébé. Mon pauvre bébé qui est pas bien. Bébé chien. On va attendre un vétérinaire pour te soigner, ma mère. C'est qui s'en va déjà? Ok, des bisous, Tsari, prends soin de toi. Mets ton argent à 8000 avec le code de 8000. Non, Ouais, écoute, c'est pas grave, de toute façon, il faut que je rende l'argent, donc là, je vais... De toute façon, je mettrai 150 000 au prochain prêt que je vais rembourser, donc... voilà, j'ai fait un code pour avoir 150 000 €, donc... 150 000 simflous, donc voilà, je vais pas me prendre la tête, là, je vais les laisser telles quelles. Donc ce serait... Waouh, waouh, waouh. Eh, mais cet orage de ouf, là Bon, là, Ah, voilà. Bah, allez, hein. Ah bah il a fait chaud, c'est pour ça. Mais y a pas un autre truc pour... Y a pas un truc plus légit pour ne plus être une sirette? Genre manger un fruit ou quoi, ou je sais pas quoi. Traitement coûteux. On va lui faire le traitement plus cher. Que ce soit bien. C'est la pauvre. Oh. Brave bête. Et voilà. Pas quand même un jour aussi que je fasse devenir veto ma SimSelf. Ça pourrait être cool. Même si maintenant c'est un peu tard, que c'est plus trop la mode. Mais bon. Voilà. Hop, on va rentrer chez nous. Voilà. Je connais que ce code, désolé. D'accord. C'est pas grave, de toute façon, mais là, la rediff est pas encore sortie. Je crois qu'elle sort demain. Ou... Ouais, je crois pas qu'elle sort demain, la rediff de ça, où je vous montre vraiment toutes les tenues. Où vous verrez la composition de toutes les tenues. D'ailleurs, j'ai pris beaucoup de choses qui viennent de Mosino Pack. Bon. C'est meilleur ici, quand même, hein. On peut pêcher. Oui, on peut pêcher. C'est trop bien! C'est trop bien! Toi, je vais te garder. Donc, un truc aussi que je... Donc, vous voyez comme ma maison est assez délabrée, il y a des choses que je vais essayer de faire. Des choses qui me semblent logiques au niveau de l'amélioration de ma maison. Donc déjà, pour retirer tout ce qui est papier peint, donc fatalement, donc, je vais pas changer le papier peint si j'ai pas retiré les fissures et tout ça. Bah en tout cas, je vais peut-être essayer de grimper ma... Compétences de bricolage. Oh, je suis déjà à 8. Bah écoutez, on va essayer de la mettre au maximum. Quand on aura le maximum, eh ben on pourra retirer, modifier tout ce qui est papier peint fatalement. Comme ça, on pourra dire qu'on a marouflé. Voilà. Dans les toiles d'araignée, on pourra les retirer avant. Hein. C'est juste passer un petit coup les poussières et la flacouille, les petites flacouilles aussi. Enfin voilà. Au niveau du jardin, en fait, pour retirer les pierres, je pense qu'on va se mettre à 8. Voilà, à 8, on pourra commencer à retirer les pierres. Je me dis, voilà, c'est un petit truc que je vais... D'ailleurs, je vais noter tout ça. Je vais le noter comme ça, je vais pas oublier. Pop. Voilà. Donc, mini challenge avec ma SimSelf. Hop, je me le note, hein. Challenge himself. Disbricolage. Refaire. Non. Vu que le but c'est quand même de tout monter. Et donc du coup je pense que pour... Oh, je sais. Essayer de ne pas déranger. Ah ouais, quand même, ça fait... J'ai un peu peur, moi. Ça me fait un peu peur. Et donc, pour le jardinage... 8. Jardinage. Pour les pierres. Voilà. Ouais, moi, ça me fait un peu peur. Limite, ce que je vais peut-être essayer de faire, un truc que je trouverais logique, c'est peut-être de grimper sa compétence en herboristerie. Une sorcière. Une sorcière, hein. Pff, une sirène, je suis bête. Bah du coup là on n'a plus vraiment d'océan, donc là pour le coup... Voilà. Oh, cette tête. Bonjour, ici le visage de la dépression, tout va bien. C'est un peu ça. Bon. On va quand même essayer de décorer un petit peu... Enfin, pas décorer, mais bon, on va retirer certaines choses comme tout ce qui est toile d'araignée, je pense. Excusez-moi. L'orgue, on va pas le garder. On va pas le garder du tout, l'orgue. Tout ce qui est meuble, ça je les dégage quand même. Hein. Hop. Ça je l'aime pas. Ça je l'aime pas. Ça je l'aime pas. On va limite faire une pièce à la fois. On va d'abord faire le salon. On va retirer le canapé. Ah, l'horloge elle déchire par contre, ça je crois que je vais la garder. Ce truc là je l'aime bien donc je vais le garder. Ça je dégage. Hop. La poule, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Ça les bougies, ça je vais garder. Ça dégage, ça dégage. Le violon, ça je m'en fous. Ça je vais le garder, c'est joli. Ça aussi. Et ça c'est beau. Et je pense qu'on va garder le... Bien que c'est pas très logique que je puisse pas... Des mermaids kelp, c'est quoi des mermaids kelp qu'il name? Celui qu'il name. Ça ici, on va peut-être les garder, les recolorer un coup. Oh non. Comme ça. Est-ce qu'on fait les gars, est-ce qu'on se met le petit mini challenge décoration, donc d'avoir le truc à 10 ou pas? Pour retirer. Je retire. Et des araignées. Ah oui, aussi un truc qu'il faut savoir, c'est que la maison a des traits spécifiques. Elle a le trait Gremlins, attendez je vais vous montrer. Elle a le trait Bestiole Gouillante, Gremlins et Hanté. Voilà. Vous savez tout. Oui, j'aimerais bien refaire des peintures. En fait, je me mets aussi comme challenge de la redécorer avec des peintures à mon goût, moi-même quoi. Bienvenue à Yokiom. Pas de soucis, soyez là. Là. Oups! Une connerie. Voilà. Hop, voilà. Bon, ça, j'aime pas trop. Ça, c'est extrêmement moche. Voilà. Hop, tout ça, ça dégage. Machette, ouais, ça aussi ça part. Voilà. Ça aussi. Le petit verre là il dégage. Ça j'aime bien. Et là on se dit tiens, ça j'aimerais bien, ouais je l'ai dégagé aussi. Ça aussi, bon les rideaux là qui datent de Mathusalem. Ça ma mère elle disait ça, ça date de Mathusalem ce truc là. Oh bah il y a un bon objet qui était assez vieux ou quoi dans la maison. On va garder la couronne, hein. Ça peut être utile. Pas besoin. Au niveau de l'étage. Le lit il est pas très beau, on va le jeter aussi, je suis désolée. En plus, on sait pas qui a dormi dedans. Hein. Enfin, ceux qui regardent le live là présentement le savent. Les autres vous devrez attendre. Bon. Une chambre. Oh. Hop. On va se faire des thunes en vendant toutes ces conneries. En vendant toutes les... Je pensais même pas que les toiles d'araignée ça pouvait se vendre. J'en ai quelques-unes là chez moi, si j'avais su... Hop. Bon ça... On va dire qu'elles aiment au garde... Bah attendez. Là je les aime quand même bien, donc j'ai quand même envie de les garder. Même dans son truc de meuble. Coucou de Lena Willis, bienvenue à toi. Hop. Et... Hop. Bon, au niveau de notre salon. Hop. J'aime bien que je fasse une connerie à un moment. Bon, il y a des choses ici que je pense que je vais mettre ça peut-être par ici, peut-être, je pense. Attendez, hop. Bébé. Point. Move. Object. On. Voilà. Donc. On va mettre ça ici. On va le refaire. Alors faire, on va un peu modifier sa couleur parce que sa couleur est un peu tristounette, je trouve. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je fais n'importe quoi, Micheline. Voilà. Ah, oh, ça c'est beau, ça. Ça j'aime bien. Ça c'est bien. Le petit barbecue ici. Bon, par contre, je pense qu'on va modifier les portes et tout ça, mais on fera la modification quand. Ça va pas, ça va sortir aussi à un moment, faut pas déconner. Oui, mais ce qu'il y a d'atmosphérage, c'est que ça va rajouter les Sims de tout le monde dans mes trucs, donc du coup, non. On m'en veut pas, hein, mais voilà. Ça va être trop vite le bordel et ça, j'ai pas envie. Donc... On va replanter nos trucs. Parce que de toute façon, il faut quand même bien qu'on grimpe nos trucs là. Hop, on va mettre ça ici. Là. Oh les lags que j'ai. Hop, mettre ça ici. J'ai des gros lags, je sais pas si vous voyez ça. Je pense que c'est parce que la maison est énorme en fait et qu'il y a plein de trucs dessus. Oh mon dieu. Je vois que ça en fait. Je crois que j'ai tellement de lag dessus à cause du fait qu'il y a trop de bazar. Voilà. Je vous avoue que là pour le coup... Je sais pas si j'ai envie de respecter mes consignes, du moins pour l'intérieur. Ouais non, on va dire qu'elle aura appelé quelqu'un parce que regardez ça, j'ai des lags, je déplace à peine un truc, j'ai des lags à cause de toutes les petites entités de trucs abîmés qu'il y a. Bon, les gars, on va dire qu'elle aura appelé des constructeurs, enfin des gens qui... des maçons pour qu'ils refassent sa maison, hein, d'accord? Vous êtes d'accord? Parce que là, c'est... Regardez-moi ça, c'est le lag. J'ai trop de trucs en fait. Je me suis pas trompée pour la... Ah non, je suis bien en 720. Ouais non, les gars, là non, regardez-moi ça. Non, je vais écouter, non. Non, on va remodifier la maison de la notre sauce, parce que là, j'aurais bien voulu le faire, là, j'avais noté et tout, mais là, non. C'est trop le lag. On va faire pièce par pièce. Hop. On va faire le hall d'entrée. Hop. Pas très beau ça. J'ai l'impression que ça commence déjà à moins laguer. Ça fait, c'était la maison du lag. C'était ça le secret que j'ai dit aux gens. Ah, comme je vous mitonne. Bon. Par contre, ce plancher, je l'aime pas mal. Donc on va le garder parce que je l'aime vraiment bien. Par contre, là, ça va d'un coup de frais, on est d'accord. Hein, les portes aussi, regardez-moi ces portes, elles sont pleines de coups. Elles ont vu des choses, ces portes. Ouais, ça m'a pris un temps de dingue, Emilia. Et encore, t'as pas tout vu parce que t'arrives en cours de route. Sans reproche, hein. T'as pas tout vu. Coucou, Mr. Sam. Je dis ça avec un accent magnifique. Mr. Sam. On va faire un genre de... Je vais faire à mon goût. Un genre de petit ton un peu comme ça, crème. Ah oui, c'est joli comme ça. Ah bah là, en plus, là, on voit bien les trucs, là. Là, on voit bien les trucs abîmés. Et on va regarder aussi... Peut-être que je mettrai même truc ici. Non, non, pas tout. Pas partout, ça. On va laisser le... On va laisser le... Voilà. Ça pour la cheminée, parce que je trouve ça particulièrement joli. Ce tableau-là, je l'aime pas trop. Oh, encore un truc ici, voilà. Toi, tu vas voler là. J'aime assez bien le chandelier. Attendez, je vais mettre ça là. Je vais mettre tout ça ici. C'est bizarre, j'aurais cru que cette maison était un peu plus grande. J'ai cru qu'il y avait un grenier, moi, à l'étage. Y a pas de grenier? C'est bizarre, pourtant, on dirait qu'il y a un étage en plus. C'est bizarre. Bon. Bel accent. Je cherche pas spécialement à faire un accent, je t'avoue. Regardez-moi ça, le truc, il met 7 ans encore pour... Même les pierres, je crois, les gars, que je vais les retirer parce qu'en fait, c'est pas possible. Ouais, j'étais dans les moindres détails, hein. Vous pouvez voir. Ah oui, ça j'avais dit que je le mettrais à l'étage. Ah oui, tiens, c'est vrai, il y a le... Notre chambre qui est... Regardez-moi ça, le temps que ça met. Là, c'est juste pas possible. C'est le lag assuré. Oups. Bonjour, je flotte dans les airs. Je suis un dressing volant. Zut, j'ai pété les fenêtres avec. même si de toute façon on va quand même modifier une fenêtre pour que ça passe avec le dressing. Voilà. Oh ouais non, en fait j'ai mis trop de petits trucs comme ça. Je dis trop de détails tue ton jeu, d'accord? Voilà, là maintenant tu le sais pour la prochaine fois. Tu mets moins de détails. Non, je me réjouis juste là pour le coup les gars, là c'est juste une excuse supplémentaire pour vous d'aller mettre des pubs sur YouTube pour qu'on puisse avoir un PC qui sur lequel je peux vraiment... Ah non, c'était juste... support ce genre de choses. Pas tout ce que j'avais mis. Moi j'ai passé mon temps, hein. Voilà. Bon, je pense les gars que là ça va faire pareil parce que là je voulais vraiment essayer d'être roleplay par rapport au jardinage, mais là non. On va juste laisser la zone comme ça. Mais tout le reste là, on va retirer parce que là en fait c'est juste laguant. J'ai l'impression que ça va déjà mieux. La salle de bain, hop. Je pense qu'on va faire notre bureau ici, juste à côté de la chambre, ça me semble correct. Vu l'espace dans la maison, de toute façon c'est pour ça qu'on l'a acheté. Oh, de l'espace, hein. Travailler. Hop. Voilà. Là. Comme ça. Oh, je suis désolée les gars pour la perte de temps qu'on a là, vous me voyez en train de retirer des trucs dégueulasses et désolée, mais c'est parce que là en fait j'ai l'impression que ça va déjà beaucoup moins laguer. Ah. On s'est fait masse boulasse en fait en revendant les trucs. Tout va bien. Bon. Et on va, je pense, prendre la même... Voilà. C'est pas mal. Ok. Des bisous Cassoupé, merci d'être venu. Je crois que c'est balance, anniversaire. Ouais. Ouais, c'est le 16 octobre. Bien vu. Très bonne mémoire, Miss. Bien que j'aime bien cette lampe. On va la garder, je la trouve assez sexy. Bon. Ah, j'ai chaud moi ici. Hop. On va mettre la guitare ici, près du feu. Hop. Ah, ça c'est bien. C'est quand même pas encore ça. Je sais pas ce qui fait que je lag comme ça. Oh wait, je crois que je n'ai de ce qui fait que je lag. Je sais ce qui fait que je lag. Attendez. Bon, ceux qui regardent cette rediff, je pense qu'il va y avoir une petite coupure là maintenant. Désolé. Parce que sinon je vais tout vous spoiler. Ceux qui ont le live, bah voilà, vous allez comprendre. Maintenant je déplace un truc. Ok, non. Same thing. Ok. Hop. Non, vu que c'est la même chose, les gars, on va le laisser écouter. Bon, c'est pas ce que je pensais. Et que ça lag, je ne sais pas. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Déjà ça. Par contre la fontaine ici je l'aime pas trop. Ça ça part. Ça ça part aussi. Bon ça aussi ça va, ça ira 2 secondes. Par contre c'est étrange cette statue comme ça. Une fée comme ça agenouillée devant je sais pas, des rêves de sorcière maléfique bizarre là. Il y a la tronche de Michael Jackson entre nous, je sais pas si vous voyez, pas la gueule de Michael Jackson, non, tu veux pas? Ouais, non. Je suis désolée. Bon. Ah, vieux cadre. Ça devait être aux anciens propriétaires, fatalement. Hein. Hop. Oh, on va le mettre, on peut le mettre dans l'entrée, hop. Souvenir des années folles de cette maison. Voilà. Je vais retirer aussi toutes les ronces. Hop. Oh, il faut ça comme une fissure là. Voilà. Bon, on plantera des choses beaucoup plus belles parce que là, ça ressemble à rien du tout. Là, le jardin. Laisser ça, ça pourrait être utile pour le jardinage. Hop. Peut-être laisser l'arbre ici, je trouve qu'il a de la gueule. Enfin, qu'on pense qu'il y a des petits cactus qui passent à travers le truc. Bon. On va laisser le petit banc, peut-être même le déplacer. Oh, c'est chiant que ça lague comme ça. Comment on fait pour jouer en direct? Ben, je te dirais de regarder sur... Sur Google? Google est ton ami? J'ai envie de dire sans m'en être méchante. Je ne suis pas commencé à faire un tuto là-dedans comme ça. Beaucoup de gens dans l'inventaire de famille jouent aussi du... Ah! Ça je ne savais pas. Je te remercie pour, de m'avoir expliqué ça. Je n'étais pas au courant que ça pouvait avoir un impact. Par contre, ce petit hôtel à insectes que je surkiffe grave, d'ailleurs en vrai, plus tard quand j'aurai ma maison, je joue un hôtel à insectes. On va l'utiliser. Bon, si par contre je peux le... Ouais, parce que là, ça me saoule là pour le coup là. Il veut pas. Ah voilà. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a fait où mon hôtel insecte? Mon hôtel insecte? J'ai perdu. Ah non, il est là. Voilà. Vive le lag de ta mère. Oh oui, il y a ces belles choses là que j'avais aussi. On va utiliser. Voilà. Et à l'étage. Ah, j'ai pas... Ah oui, non, j'avais... Just. Pourquoi ça gasse poil là quand même, quoi? J'ai jamais eu ça. Je trouvais que l'autre niveau était déjà bien chargé, mais... Comme ça, c'est bien. Bah, ce qu'il y a, c'est qu'au niveau des bugs, en fait, j'en ai pas habituellement, je t'avoue. Là, c'est un peu exceptionnel que j'en ai. J'en ai jamais. Très rare. Depuis Windows 10, super. Bah, en fait, j'ai fait la mise à jour tout à l'heure et j'avais pas de problème. On va peut-être faire ça comme ça ici, non. Enfin, ça, on va pas s'en servir de toute façon. Ah, notre petit canapé! Faut qu'on l'installe, notre petit canapé. Ah, notre lit, notre super beau lit! Qui d'ailleurs ira trop bien dans cette chambre. Oh, oh oui, je l'adore ce lit. Ah bah il a disparu. Ah non, je me dis mais merde, il est où? Il s'est allé vers d'autres cieux. On avait marre d'être un lit. Je ne veux plus être un lit et je me casse. Je veux être une table. Bon. Excusez-moi. Je sais pas où je vais chercher tout ça. L'eau de bougie. Remettre la bougie ici devant. Ça pourrait être super joli. Hop. Voilà. Yay, merci pour le follow. Et merci à Eva Leroux. Merci pour ton follow, Eva. Bienvenue à toi. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est le truc d'amarrage, mais je m'en fous, ça je vais pas le garder. Donc... Ah oui, il y a ça que je peux mettre... Voilà. Hop. Ah là, ici, il y a des choses qu'on pourra m'utiliser... Qu'on pourra m'utiliser. Bien sûr, je dis qu'on pourra utiliser pour... Je sais pas pourquoi ça lag comme ça, ça me saoule. Bon, moi ce que je vais faire les gars, je vais... Attendez, je vais redémarrer un coup mon jeu, je vais sauvegarder. Hop, et je vais redémarrer un coup le jeu parce que là c'est pas possible que ça lag autant. Ouh. Que tu me fais toi? Mais pourquoi tu veux pas? C'est quoi? Bon les gars, c'est parce que ça coupe, je vous préviens déjà, je sais pas si ça a coupé. Voilà. On va mettre en grand. Hop. Désolé les gars, pour ma tronche que j'ai pris ma douche, juste avant de commencer là, je vais redémarrer le jeu parce que là, ça bug plein de tubes. Bon, bah désolé les gars pour ce petit interlude. Oh, ça merde de pas pouvoir faire tout ce que je voulais, comme je voulais. Ça fait déjà une heure qu'on est en live. Eh ben. Oh là là. Oui, tiens, je voulais savoir, est-ce qu'il y en a qui veulent un petit agenda? Je vends ce petit agenda sur mon Vinted. 1 €. Si vous le voulez, voilà. Je le vends. Et si c'est un abonné que j'ai, je mettrai une petite dédicace dedans s'il veut. Voilà. Le jeu démarre, hop, voilà. Ouh, tu sais, flashant, je suis désolée, là j'ai rendu à tout le monde aveugle. Objectif complété. Qu'est-ce qu'il raconte là, Utip? On n'a jamais l'objectif complété. Il a fumé la moquette, le petit pépère là. Qu'est-ce qu'il fait là, Oni? Qu'est-ce que tu fais là, Spider Cat là? Il pète des câbles là. Le con, ce chat. Les gars, je suis désolée, je vais allumer la voiture parce que je me meurs de chaud en fait, je suis en train de crever de chaud dans cet appart ici. C'est pas ça. Où est-ce qu'il est? Allez! Allez Antonio, le 20 kg! Viens me 20 kg! Seigneur. Merci Seigneur. T'as enlevé le lapinou du coup? Non, je n'ai pas enlevé le lapinou. Ah oui, attendez. Hop, voilà. Il est de nouveau là. Excusez-moi. vais remettre le chat là où il doit aller. Voilà. Moi j'ai des gros bugs depuis Mosino. Ah bon, carrément? C'est trop bizarre. Moi c'est juste là les petits lags que j'ai. C'est tout. Sinon ça va, globalement ça va. J'ai pas à me plaindre de mon jeu. Le pire c'est que j'ai build tout l'après-midi et que j'ai relancé le jeu entre temps et que là, maintenant là que ça lag. Je sais pas. Du coup pour la sélection de ville tu l'as arrêté. Bah en même temps j'avais fait tout atmosphère là. C'est pour ça que je ne fais plus, j'ai fini l'histoire donc maintenant peut-être que vous reverrez Céleste dans d'autres trucs, peut-être même que dans Let's Play ici. Il y aura deux Célestes, il y aura Céleste Morningstar et Céleste Dreams. Moi c'est le cas qui merde. Ah, ça craint ça. Bon. On va voir si ça bug encore. Si je déplace une chaise. On va voir ça tout de suite. Ah non voilà, j'ai redémarré le jeu, maintenant ça va. Super. Hey. Ah d'accord, ok. Hop. Oh chérie. Mon cœur, tu veux bien me remplir ma cruche d'eau, s'il te plaît? Si tu veux bien. Tu penses à mettre de l'eau dedans aussi? Mais oui, mais c'est pour une fois que j'ai oublié. Ah oui, 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 oui. En gros, on l'ouvre bêtement et c'est tout? Là, je l'aime bien, on va le garder pour plus tard. Hop, on va... Ah, les fleurs, on va les mettre là le long. Merci beaucoup, chérie. Oiseau de paradis. Une buisson de bonsaï, on va le mettre là. Hop. Tout ce qui est fleurs, on va mettre là le long ici. Chrysanthème. Dire que ça rebug. Ah, ça rebug. Pourquoi ça rebug comme ça? C'est trop chelou. Bon, écoutez, je suppose que ça va pas bugger tout le temps comme ça, écoutez. J'espère, ça va vraiment me saouler. Mais non, ce cas c'est que, je t'explique, j'ai build tout l'après-midi, j'ai pas eu de soucis. Non, c'est peut-être mon PC qui chauffe. Non, parce que toute cette tato, j'ai pas eu ça. Non, je pense pas que ça soit les mods. Buisson de sauge. La quasip, écoutez, ça on va le revendre, on en a un peu rien à faire. Ça on en a déjà un ici sur le terrain, on va le revendre aussi, ce truc là. Putain, c'est... Ah, tu penses que c'est ça Le petit sac, on va le mettre dans l'entrée, on va le mettre ici. Le plan d'ail. Je pense qu'on va mettre tout ça dans... Il nous faudra des meubles pour les décos, mais... Enfin, pour les décos, mais pour les collections, on mettra ça dans les pièces ici, je pense. Bon. On va peut-être avoir aussi déjà pour installer le bureau. Les gros trucs, on sait où ils vont. On va même se mettre un truc joli. Une belle couleur pour ici. Mettre cette couleur là, c'est joli. Ah, il reste encore un petit truc abîmé. Voilà, hop. Bien que, pas une autre couleur plus sympa. Oh oui, le rose comme ça. Le rose, moi, le violet comme ça, c'est joli. Bon. On va prendre des appliques murales. Voilà. Et... les gars, je pense qu'on va décorer la maison en plusieurs fois, en plusieurs lives. Hein. Ça, je revends. D'ailleurs, hop, mes petites boîtes. Voilà, on dégage ça. Voilà. Je regarde ce que je peux peut-être rajouter. Ah, ça c'est tout ce qui est bureau. Ah, ça c'est la salle à manger. Ça par contre, ça je crois que j'ai dégagé parce que les trucs c'est pas trop mon style, ce machin là. Tu vois non plus. Ce vaisselier là est super beau, mais si je modifie la couleur. Oh, ça c'est joli comme ça. C'est comme ça. Oh oui, crème et blanc, c'est trop beau. On va peut-être garder ça. Oh, il reste des trucs abîmés là dans le coin. Et d'ailleurs, un truc que je vais faire. Vous allez voir, un truc que je vais faire et qui pourra vraiment donner un petit coup un peu plus neuf à la maison. C'est mettre des portes coulissantes. Oui, le chat, miaou à toi aussi. Mettre celle-là, cette couleur-là. Hop. Voilà, comme ça. Et là, je crois que j'ai un truc. Il y a moyen d'avoir juste une de deux de large qu'on va mettre ici. Il n'y a pas juste les portes. Je crois qu'il y avait juste les portes qui existaient aussi. On va laisser la vieille porte ici au niveau de la buanderie. On va juste retirer, on va juste mettre plus clair, c'est plus gai, ce sera plus beau. Ce sera plus beaucoup plus jovial. Alors là, celui-là, on a fait plein de choses. On a retiré, en fait, j'avais dit au départ que je voulais garder les trucs et avancer de mes niveaux, mais en fait non, c'est trop compliqué parce que en fait, j'avais plein de lags, donc du coup, je préfère vraiment... tout d'un coup, je ne trouve pas. Je sais qu'il y a des portes coulissantes, juste ah, porte coulissante, tcha tcha tcha. Voilà, voilà, c'est celle-là que je vais garder. Voilà, et on va hop, prendre ça, le mettre ici, peut-être même carrément le retirer. Ouais, voilà, c'est plus, c'est un peu plus moderne. Pour le coup, ceci du coup on va le bouger, on va le mettre ça ici le long de la rambarde, même si c'est pas très safe. Attendez, je vais mettre ça là en attendant. Oh, la vieille brouette, on va la dégager. Voilà. La machine SIV, ça on va les mettre. Ça aussi, ça je vais le mettre là, hop, ici. Hop, 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 hop. mettre le frigo là. Je me dis, ça pourrait être chouette de mettre le frigo ici. Un petit peu à part, comme ça. Peut-être même mettre comme ça avec un meuble juste à côté. Ah, est-ce que ça va au-dessus? Non, c'est l'inverse. Voilà. Et on va mettre dans la buanderie ici. Voilà. Voilà, comme ça. Truc en rondin, ok. Ah, ça ici. La table là. Ensuite, l'arbre à chat dans le salon. Pour le chat, fatalement, c'est pas pour le chien. Hein. Bien que. Oh, ce petit canapé là que j'ai mis, il va venir là. Il va venir ici. Mini coin lecture, ça j'aime bien les petits coins lecture. Bon, ça on s'en fout de la poubelle comme ça, elle va pas trop avec le reste. Voilà. Pour sauter la bielle de la maison, on va mettre un petit cadre ici. Ah, voilà, mon bureau. Voilà, un de mes bureaux. Celui-là, je vais le mettre là. Oups, là, tu fais quoi, là? Je vais le mettre juste ici. Oh, j'adore le truc comme ça, ça fait tellement... Oh là, il y a un petit truc. Un petit machin, là, qui est abîmé. Tu t'en vas, toi. Voilà. Bon, moi je pense que je vais peut-être pas trop traîner au niveau du live et je pense sûrement, je sais pas ce que vous en pensez, mais que je vais continuer la décoration de la maison en hors caméra, je me dis, parce que bon, et je vous la montrerai bien sûr dans le prochain live, hein. Ça va de soi. Je sais pas ce que vous en pensez parce que j'ai peur que ça s'éternise beaucoup trop et que ça vous fasse chier. Je comprendrais tout à fait, ça serait tout à fait logique que ça vous fasse chier que je fasse ça, parce que en gros je remets un peu tous mes trucs où ils étaient et enfin voilà quoi. Là vous voyez, je vais déjà ranger tout le bureau, enfin voilà. Tu n'as pas fait les peintures, mais je vais me faire un atelier de peinture, je pense, dans une, je crois que la petite pièce ici pourrait être pratique, ou celle-là peut-être, tu vois, pour devenir mon atelier de peintre. Attendez, ces petits trucs là, des petites saletés. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez parce que là j'ai peur que ça prenne mais la blinde de temps, pour tout ce qui me reste à faire, tout ce qui me reste à rajouter. Moi j'aime bien, c'est cool. Ouais, mais au niveau de la rediff, je sais pas si c'est super intéressant pour vous. Je préfère limite vous montrer après comment j'aurais tout arrangé que plutôt de passer mon temps à refaire tout. Vous voyez ce que je veux dire, parce que j'ai vraiment peur que ça fasse chier les gens. Donc ça, par contre, je vais le revendre. Hop. Honnêtement, j'ai vraiment peur que ça emmerde les gens et je comprendrais tout à fait. Hop. Si, tout doucement, au fur et à mesure, je le fais. C'est quoi ça? Ah, ça c'est des factures. On va mettre un petit guéridon en bas ici pour mettre tous les trucs. Tout ce qui est un peu lettres et tout ça. Hop. Ah, ça pourrait être beau de mettre la plante quelque part, genre ici comme ça. Peut-être modifier la couleur du pot du coup pour que ça aille avec le fond. Oh non, c'est très chelou. Ouais voilà, c'est un peu bizarre mais c'est pas laid. Les plantes prennent des couleurs bizarres ici. Cette maison est plutôt étrange. Ah là, les trucs pour mettre les machins de My Sims, on va les mettre ici. Voilà, on va les mettre là. Truc de collection. En tout cas, Bac dans la jungle, c'est qui dans le... Ah mais je l'adore aussi, c'est vraiment un de mes préférés. C'est pour ça que moi je l'utilise, parce que je le trouve vraiment trop beau. Il a un style mais incomparable je trouve. Il a vraiment un look bien à lui et moi en tout cas je l'aime beaucoup. Ouais. Il y avait cette petite table que je vais utiliser. Mais que je vais repeindre, mais je pense que je vais la mettre en noir et pas en blanc, parce que je trouve qu'elle a plus de gueule en noir, je vous avoue. Voilà. Voilà, petit coin lecture pour ma SimSelf, tranquille. Voilà. Les petites décos qu'elle a faites. Voilà. Est-ce que je vais... voilà la petite tasse de cappuccino là qui traîne. Voilà. Alors il y a encore une tasse de café que je vais mettre à mon bureau, celle-là. La théière qui va avec. Yay, merci pour le follow. Bienvenue à Marine B, merci pour ton follow Marine, bienvenue à toi. Pose-toi, mets-toi bien avec nous. Mettre la webcam genre ici, voilà, pour les streams, comme jamais verront bien. Ah, les petits paquets de mouchoirs. Désolé les gars, en fait je range tout au fur et à mesure. Ouais, ça, on va mettre ça genre ici. Hop. J'ai fait des trucs de... Ah, ça je vais revendre parce qu'il est moche. On dirait un peu des couilles qui pendent. Qu'est-ce que je vous dis moi comme truc? Ah voilà le bruit, voilà mon bureau. On va l'utiliser ce petit papier, on va le mettre là. Et la petite chaise qui va avec. J'avais pas une chaise avant qu'elle est avec. Ah, ça c'était mon porte-manteau. On met déjà dedans, mais c'est pas grave, on va le mettre là. Genre ici. Il ira très bien. Le balai et le truc qui vont aller là. La couronne d'ail, je pense que ça pourrait être utile de la mettre ici. Qu'est-ce que tu me fais? Ouais. Pop, pop, pop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a les petites affiches aussi. On va les mettre ici, les affiches, elles sont trop jolies et j'ai trop envie de les garder dans le bureau. On va même les mettre en fait le long ici je pense. Bientôt là, mais en fait Indara, j'ai déjà fait dans ma galerie mais il faut que je le refasse parce que je n'en suis pas satisfaite. Non, non, pas du tout, je l'ai fait comme ça au pif. J'avoue que j'ai été super inspirée. Voilà. Les petits MySim qui se promènent. Enfin, qui se promènent, on se comprend, ils se promènent pas vraiment. Hein. Oh, super remote pour mettre le PC, ça c'est bien ça. Je crois que j'ai des mini étagères, je vais plutôt les mettre ici, les petites étagères, ou là peut-être, je ne sais pas. Ça, là. Ah oui, notre beau paravent, on va le mettre là. C'est une noce, c'est pas pour tout que je vais le refaire. Bien que je l'aime, mon mari, j'ai encore un peu envie que ma SimSelf s'amuse. Bon, le catamaran là, ça m'a fait marrer 2 minutes. La poubelle, ouais. Au revoir, merci d'être venu. Oh, le petit chef Gino, je vais le mettre dans la cuisine, je pense, celui-là. Oh, mon petit truc avec les petits plaids, on va le mettre là. On va le mettre là. Hops. Hop. Ça ici. Ah, il y a encore des arbres que je peux planter. Je vais les planter ici le long. Ça pourrait être sympa de planter des choses ici le long. En plus ils sont bien au soleil. De l'ananas. Je trouve que l'ananas là où on est, c'est un peu bizarre. C'est un peu surréaliste, hein. On entend se le dire. Hein. Ça par contre j'adore cette couronne de fleurs que je trouve juste splendide. Où est-ce que je peux te mettre ma petite mémère ? Ici comme ça, avec un des meubles, voilà, hop, ça ici. Oh non, celui-là, attendez, oh trop bien ce truc là, moi je l'aime bien ce machin, on va le mettre là, on va le mettre là. Ah oui aussi, il fallait que je mette ma, ça ici, voilà. L'imprimante qui est un peu au bord, je vous avoue que ça va poser de façon un peu caduque là pour le coup. Voilà, on va mettre ça là. Écoutez, la poupée, la vaudoudole, elle était déjà à la base ici. Enfin, ce truc là, en fait, ce petit meuble là me dérange. Je vais le mettre dans le hall ici. On va le mettre. On a plein de place là, c'est bizarre. On va mettre ça. Pourquoi est-ce qu'il y a plein de places ici? C'est bizarre. Il se passe des choses bizarres dans cette maison. Ça c'est fait. Ça, on l'a déjà remis. Ah oui, dites pour décorer, regardez les bougies, ça donne trop bien, je trouve. Hop. Bon, par contre, faut pas qu'il y en ait une qui tombe. On risque de peu de cramer la maison. Ah, nos petites plaques. Nos petites plaques, on va les garder. Hop. Ici. Je Je pense qu'on aura des fées dans les Sims 4. Je ne sais pas atmosphère, je t'avoue que j'en ai aucune idée. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ils nous ont dit que dans le prochain pack magie, on aurait des familiers. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, j'en ai retweeté un que j'ai vu sur Twitter. Enfin, oui, vraiment sur Twitter. C'est une petite chauve-souris, mais qui a des ailes en feuilles, en fait. C'était beaucoup trop choupi. Et je me dis, mais c'est beaucoup trop mignon. Il y aura trop de trucs. Et je pense qu'on aura des petites fées, en fait, pour comme familier. Je pense qu'on aura des petites fées comme familier. Oui, toutes nos photos de vacances. Regardez, nos photos. Tous nos souvenirs de Sulani. Oh. Tous nos amis qu'on a eu là-bas. Oh, Cappuccino. Petit peu père. Oh, notre copine aussi. Après qu'on l'invite. Ah oui, quand on habitait en ville, ça. Encore Cappuccino qui dort. Ah, notre boule à neige ici. C'est quoi ce bruit? J'entends un bruit comme s'il y avait un potentiel voisin qui mettait de la potentielle musique. Ça me fait un peu chier là. Pas fort, mais un petit peu. Hop, on va mettre ça genre là comme ça. Fait que je sens que ça lag. Je dis que ça lag de moins en moins maintenant. Quoi j'en fais? Petit cas numérique pour mettre toutes ces photos. Oui, c'est vrai, je vais voir pour mettre ça, tu as raison. Tu as raison. Ah voilà, c'était ce meuble là que je cherchais. Bon, ça par contre, je sais pas ce que j'en fais, donc je vais le mettre. Je vais tout le ranger pour le moment. Ça aussi. Les clés de la maison. Ceci. La petite lampe. Voilà. On va mettre un truc ici pour faire dodo. Par contre, j'avais pas mis un saut de cou, j'avais mis en bleu. Je ne sais plus, c'est bizarre. Je n'ai pas sûr de l'avoir mis en bleu, justement. C'est bizarre. Il y en a quelques-uns des petits là, des trucs bizarres là, enfin des fossiles. C'est quoi ça? Cocotier, un cocotier. Bah oui, un cocotier tout à fait. Merci pour le follow, bienvenue à Bafou, merci Bafou. Pose-toi, mets-toi bien. Hop, voilà comme ça. Oh, ça serait trop joli de mettre ça devant, mais non, je vais tout mettre derrière parce que j'ai pas trop de place. Voilà, comme ça. Oh, il y a ça aussi. Je vais le mettre là. Je vais mettre ça dans le couloir, je pense. Ici, c'est assez sympa. Et ah oui, j'ai ces gros rideaux là aussi qui peuvent peut-être être sympas ici. On va les retruquer, je pense qu'on va, les raccourcir, on va dire ça comme ça. Ah, encore un fossile qui va voler avec ses petits frères. Voilà. Encore une photo. Oh, j'adore toutes ces... Oh oui, j'avais oublié, j'avais fait une grosse photo de ce truc-là. Des photos d'elle, tu vois, dans son bureau, tout à fait. Ce petit tapis que je trouve juste à tomber. Bon, j'ai pas installé encore mon... Oh oui, oh oui, cette peinture, elle était trop belle. Je l'aimais bien. Ah, notre petit robot. Notre petit drone, on va le mettre genre ici, tiens, voilà, il a sa place. Voilà, hop, première salle de bain, hop, deuxième salle de bain, hop, ça c'est bon. Yay, merci pour le follow et bienvenue à Clemdou. Je sais pas si j'ai bien vu ton pseudo, j'ai l'impression que ce n'est pas... que ça ne s'affiche pas correctement. Enfin, que ça ne s'affiche juste pas, c'est bizarre. Enfin, dans la source sur Twitch. Donc est-ce que c'est sur YouTube qui est l'abonnement et que ça s'affiche pas ici? C'est bizarre. Hop, de la vigne. De petits pois. On va retrier après tout ce qui est fruits et légumes. Hein. On fera un beau petit truc et tout, vous inquiétez pas. Il y a l'herbe à chat. Ah oui, on avait tous les trucs ici aussi qu'on avait fait. Oh oui, oh, c'était trop joli ce truc-là. Attendez, on va peut-être même les mettre ici le long. Oh, c'est trop beau, on va mettre ça là. J'adore cet objet, il est juste trop beau. Non, on va les vendre tous. Voilà. Coucou Michael Piteuf, comment tu vas? Tu vas bien, poteau? Ah bah voilà, notre truc, comme on disait. Vous savez quoi, je vais le mettre plutôt là. Comme ça, j'aurais tout centralisé ici. Et ça sera très bien comme ça. Oh, on va avoir un jardin au top, hein, là. Hop. Ça va, ça va. Moi demain j'ai congé. Enfin, j'ai congé. J'ai un cours de conduite à 13 h. C'est mon avant-dernier cours de conduite. Après j'aurai plus cours qu'une seule heure. Puis après je vais passer. Donc bon, j'espère que ça va aller. J'ai un petit peu peur. Mais bon. Hop, on va mettre ça là. Toi, je vais te retaper, toi. En clair, comme ça. Oui, notre doré, c'est trop beau, comme ça. Hop. Hop. Toutes les chaises, là, qu'on avait. Ah, ça, c'est trop joli aussi, comme je vais le mettre là. mettre toutes les chaises ici. Voilà. On va même mettre ça là et mettre la plante ici, mettre une plante ici, ça pourrait vraiment être joli. Ah, il me reste encore. What? Petite crotte d'animal? Je suis ravie d'avoir remporté ça dans mon déménagement, alors là... Tout va bien, tout va bien. J'emporte des cacas d'animaux avec moi durant mon déménagement. C'est cool. Donc j'ai mon vrai chat qui pète des câbles à côté de moi, tout va bien. Hop, le petit couteau ici. Ça, comme ça. Coucou Gabsen. Oh, qu'est-ce que t'as de stressant, Nalove? Dis-nous, partage ton stress. Évacue-le avec nous. Dis-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Enfin, si tu as envie d'en parler, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Mettre les... ça au-dessus. Qu'est-ce qu'ils foutent la même bestiole là? Johnny qui me pète des câbles comme d'habitude pour pas changer. Voilà. Là. Est-ce que j'ai de la place dans ma chambre pour ce meuble? Parce que ouais, j'ai de la place, c'est bien ça. Parce que je l'adore ce meuble. Ah non, c'était celui qui était dans mon bureau. Vous savez quoi, je vais le laisser dans le bureau. Il va séparer un peu la pièce en deux. Le chapeau, on va le mettre en bas avec les trucs. On lui rentre dans le mur, le chapeau. Il m'a dit non, je suis bien dans le mur. Voilà, je rentre dans le mur, je suis posée dans le mur. Mais non. Ah oui, tiens, ça peut être utile. Les photos... mettre ça là au-dessus. Oh, tu commences ton premier travail. Ça va bien se passer, tu vas voir. Tout va bien se passer. Mais dis le chat, t'as pas de calmer là, tu me saoules là, à courir partout. Comme un con là. Enfin, tu es un con, mais là tu me saoules là. Hop. J'avais pas un meuble pour poser ma télé. Attendez, ça on va mettre ça ici. 3 et les autres je vais les vendre. Hop, mettre un ici et deux là comme ça. Et hop, les ici comme ça et voilà. Mais ça va aller. Ça va aller, t'inquiète pas. Donc c'est quoi que tu sais que tu sais? Montrer la première fois. Comment faire une maison pas chère pour 2 Sims? Bah tu fais des tests et voilà. Que veux-tu que je te dise, jeune homme? Ça c'est un peu à vous de chercher. Hop, mettre ça ici comme ça. Voilà. Mais je vais même mettre le four à micro-ondes là. Bon. C'est pas juste, hein, je le sais, vous inquiétez pas. Je vais mettre ça là en attendant, juste pour de sortir un objet pour essayer de délaguer le jeu un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux mettre dans cette cuisine? Il y avait aussi ça que j'aime beaucoup comme objet. Bon, ça j'ai toujours laissé. Dans une grande surface, oui ça va aller. En fait ce qu'il faut bien te dire, un truc analogue, c'est que ce que tu ne sais pas encore faire, tu sauras le faire d'ici quelques jours. Parfois on se sent de mode, ah mon dieu je sais pas faire ça, mais machin, mais ils vont t'apprendre. Donc je pense que t'as pas à trop te stresser, parce que eux vont t'apprendre à le faire. Et après en fait tu vas te dire, mais en fait c'était tout con, pourquoi est-ce que j'ai stressé? Voilà. J'avais un petit peu le cas aussi quand j'ai commencé à bosser en prêt-à-porter, j'avais un petit peu peur, puis je me suis dit mais non, je vais apprendre tout ça, donc ben voilà, tout ce que je sais pas faire, ils vont me l'apprendre, donc il n'y a pas de raison que je me stresse. Et j'ai bien fait parce que maintenant ben voilà, je ne stresse absolument plus, mon métier je le fais, d'ailleurs voilà, ben on a une étudiante, d'ailleurs je fais un gros big up à Mona. Qui est une autre qui était avec moi, et en plus un truc qui était super drôle, c'est que la Mona a une sœur qui regarde les vidéos. Donc j'étais en mode en fait ce qui était super drôle c'est que la première fois que je travaille avec Mona, à un moment je me retrouve seule avec elle et... parce que ma collègue elle est partie en pause, et après elle me dit dis c'est toi qui fais tes vidéos sur YouTube? J'étais en mode ouais, ah parce que ma sœur regarde tes vidéos, elle aime bien et tout. Donc voilà, big up à toi Mona et à ta sœur. Donc c'est ça c'est sûr, mais je crois pas que ce soit ça. Oh mais tu feras forcément des erreurs. La fille qui te rassure, tu vois. Non, des erreurs t'en feras. Moi j'ai déjà fait des erreurs de caisse. Ça veut pas dire maintenant que tu vas perdre ton boulot. Des erreurs, tout le monde en fait. Tout le monde. Donc voilà, c'est comme ça. Ils s'attendent bien à ce qu'il y ait des erreurs, de toute façon ils sont assurés pour ça. Voilà, si tu fais une erreur de caisse et que ton patron est en mode oui, il faut que tu rembourses l'erreur, machin. Non. Ils sont assurés par rapport à tout ce qui est erreur de caisse. Je te rassure tout de suite. Donc voilà, tu n'as pas à te... Je parie qu'Inda a encore oublié de retirer de la bouffe de son sac et que le chat va encore aller dedans. Il va falloir que je passe mon temps, il ne faudra pas que j'oublie de retirer le sac d'Inda parce que le chat va les bouffer dedans. Créta de chat. Oui, j'aime beaucoup Nîmes, mais soit il me saoule. Hein. Voilà, pour ceux qui s'offusqueraient, oui, j'adore mon chat, mais il me saoule. Je vous le dis, il me gonfle. Hop. Ouais, non, t'en fais. Non, voilà, c'est comme du milliard. Ce qu'il y a, c'est qu'ils savent bien qu'il y a un être humain derrière. Et donc, du coup, ils s'attendent à ce qu'il y ait des erreurs. C'est inévitable. Donc, voilà, t'as pas à t'inquiéter. Ils vont pas reprendre tout salaire en mode « Oh, c'est mon Dieu, t'as fait un trou, on va prendre ton salaire. » Non, non, non. Ils sont assurés pour ça. Ils ont une assurance par rapport à tout ce qui est de caisse. Maintenant, le moins possible, c'est sûr, c'est mieux. Par exemple, ne fais pas comme une de mes anciennes collègues qui s'est fait virer pour ça. J'ai une collègue, en fait, là où je travaillais avant. Si tu veux, le soir, en fait, quand tu finis ta journée, en fait, tu dois... Enfin, en tout cas, là où je travaille, on met de l'argent, on fait une remise en banque. Donc, en gros, il y a de l'argent qui sort de la caisse pour être remis à la banque. Et j'ai une collègue, en fait, donc on met ça dans l'enveloppe et on a un fond de caisse. Et en fait, par rapport au fond de caisse, on mettait dans le magasin où je bossais avant, on mettait ça dans une enveloppe. Et en fait, donc le matin, on va reprendre cette enveloppe pour mettre dans la caisse le matin. Faut pas laisser, voilà, comme ça, c'est comme dans l'année, on planque un peu l'enveloppe et voilà. Et ben en fait, une collègue qui avait tout simplement pris l'enveloppe, elle a sorti les billets et mis dans la caisse, et après elle a déchiré l'enveloppe. Mais elle avait oublié 2 billets de 20 dans l'enveloppe et ça lui est arrivé 2 fois. Au bout d'un moment, ça les a un petit peu saoulés, ma société. Donc voilà. Grosso modo, tant que tu fais pas ça 10 000 fois, voilà, il n'y a pas de problème. Moi, donc moi aussi je fais des études de commerce pour être caissier, mais je suis en 4e encore. Attends. Enfin voilà. Tu vois, rien de bien compliqué, tu vas apprendre tout ça demain tranquille. Et tu vas revenir en mode mais oh ouais mais c'est trop facile, comment est-ce que j'ai pu stresser comme ça, machin machin. Tu vas voir. Moi je te le dis. Il est déjà cette heure là, mon Dieu, j'ai pas vu l'heure passer. Les gars, moi je vais vous laisser. Parce qu'il est déjà beaucoup trop tard et il faut que je dorme un minimum. Parce que là c'est vrai que je resterai bien avec vous pour discuter et tout, mais là ça va juste pas le faire. Donc moi je pense que je vais vous laisser. Je terminerai de meuler la maison hors caméra, je vous le dis franchement, parce que j'ai vraiment pas envie que ça vous saoule, parce qu'il reste encore beaucoup à mettre comme vous pouvez voir, donc je ferai ça tranquillou, en hors caméra, posé, au calme, et alors bien sûr je vous montrerai les résultats fatalement, donc ben voilà, moi sur ce, oh Aléno qui arrive pile quand je dis que je vais arrêter. Dans tous les cas, bah, merci beaucoup aux personnes qui ont rejoint la chaîne, hein, qui ont rejoint... Et bah je me réjouis de partager un petit peu ce dont on a parlé tout à l'heure avec vous, hein. Tout bientôt, tout bientôt. Donc, bah voilà, moi je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, et surtout, restez vous-même, ciao ciao. Et merci mes petits modos, et merci pour les resubs et tout et tout.